Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite explication donc sur ces outils, donc les codes les codes pour faire du killing. Donc ça se présente comme ceci quand vous les achetez. Donc, moi j'ai la forme triangulaire, carrée et ronde. Voilà. Et j'ai également ceci, en fait c'est la poignée. Si ça a bougé un peu plus. Mais par contre. Moi ça vient d'AliExpress, donc comme vous pouvez voir, ça bouge pas mal quand je le mets dans la poignée. Donc voilà, je suis pas sûre de l'utiliser. Pour l'instant, je l'ai pas utilisé à la poignée, je me suis débrouillée sans la poignée. Donc à voir. Donc moi souvent je l'utilise pour faire les. Voilà, jusqu'à maintenant j'ai utilisé les cerclages pour faire des colliers. Enfin les médaillons. Là je vais vous montrer comment je le fais et puis. Juste pour que vous trouviez l'utilisation. Moi pour l'utiliser, donc j'utilise du papier épais pour éviter que ça se déforme une fois qu'on le retire. Donc c'est le 220 grammes, c'est le papier, c'est toujours le papier d'action, donc découpé à 6 mm comme je fais d'habitude avec mon destructeur. Ça ne change pas. Je l'utilise toujours ma taquiglu, chez Action également. Donc pour l'utiliser. Je mets ma bande donc sur le cercle que je décide. Je fais le tour. Je mets un peu de colle. Voilà. Je rabats. Hop, on commence à bouger. Voilà, et en fait, je refais un tour en mettant de la colle un peu partout pour renforcer. Bon, j'espère que le cadrage, ça ira. Hop, et une fois que j'ai fait donc mes deux tours, je coupe. Évidemment, vous pouvez faire plus de tours, c'est selon votre préférence. Donc voilà, donc là ici j'ai fait le cercle, on peut le retirer, et donc on a le cercle qui est bien bien défini. Vous pouvez également, pour être sûr que le cercle va bien rester dans sa forme, le vernir déjà dessus, ce qui fait que ça va le renforcer, que ça ne bougera pas du tout. Donc là je vous ai fait un cercle, c'est la même chose pour les autres, on va juste voir un peu quand même. Donc là je vais prendre un plus petit parce qu'il me reste plus beaucoup de bandes. Voilà. Donc là, on va faire un triangle. Donc toujours la même technique. Voilà. Voilà, donc un triangle. Et on va faire de même pour faire un carré. Comme ça, je vous aurais montré les trois cônes différents que je possède. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire pour quand vous faites une création avec plusieurs pas largeur, si, largeur de formes différentes, c'est soit vous numérotez votre base. Par contre, j'ai un peu peur que si on numérote après avec la colle, ça coule. Donc numérotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ou l'inverse. Ou alors sur une feuille, vous pouvez vous prévoyez une feuille en marquant quelles épaisseurs que vous avez, quelle largeur que vous avez utilisé pour vous y retrouver quand vous faites votre création. Voilà, donc là on a fait un carré. Donc je pense que ça rend assez bien. Et ensuite, c'est à vous
de faire comme vous voulez. On peut par exemple mettre un carré dans le cercle et puis compléter avec un triangle, toujours en mettant un peu de travers. Voilà, ça peut nous faire un petit médaillon assez sympa. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc moi, ce que j'ai fait une boîte à bijoux. Donc j'avais fait des cercles de différentes tailles et à l'intérieur j'avais complété avec des bandes en forme d'alvéoles d'abeilles. Donc voilà. Et ensuite j'ai fait donc juste des médaillons et j'ai commencé une forme avec des triangles. Donc moi j'ai fait ça. Donc j'ai fait un yin et yang. Donc avec un contour en gris et l'intérieur en blanc et noir comme le yin et yang doit être. Et j'ai fait une petite fleur comme ceci. En bleu clair et blanc. Voilà, donc ça c'est deux petits modèles que j'ai fait. Donc voilà, donc après je pense qu'on peut vraiment trouver de tout sur YouTube. Je voulais juste vous montrer un tuto en français et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous laisse sur ce petit tuto. Voilà, à très bientôt, au revoir.